to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Bienvenue à l'inauguration de notre restaurant Paloma. Je voudrais particulièrement accueillir le célèbre chef français, M. Cyril Lignac, qui arrive ici. Madame Teresa Maxova, qui est modèle tchèque et qui a créé une fondation pour aider les enfants, la plus connue en Tchéquie. Le fameux chef tchèque, M. Borel. Paloma est un investissement de notre groupe en association avec M. Gilbert Franchetti, qui est géré. Les intérieurs ont été créés par décoratrice Mme Monica Babichova, qui est par hasard mon épouse. Bien sûr et surtout, notre jeune et très doué chef de cuisine, Nicolas Deschercy. Je voudrais vous remercier ce soir d'être là pour cette inauguration, car pour moi c'est un petit peu particulier. Je ne pensais pas un jour pouvoir me tenir devant une aussi belle assemblée ce soir. Pour moi c'est vraiment très chaleureux. Et je tenais déjà tout ça à vous remercier. Remercier bien évidemment Monsieur Mavis, Monsieur Franchitti, pour la confiance qu'ils m'ont donnée sur ce projet, pour tout ce qu'on va vivre dans le temps à venir. Remercier bien évidemment Monsieur Lignac, le chef, le parrain du Paloma, qui m'a fait le plaisir de descendre ce soir, car énormément d'amitié entre nous. On a traversé des moments qui n'étaient pas faciles, et
pour en arriver là aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle expérience. Je pense que je voudrais remercier également toutes mes équipes, tous nos hommes qui sont derrière nous, que ce soit Johan Jara, notre chef pâtissier, que ce soit Ludovic Léon, derrière en cuisine, que ce soit tous mes hommes qui soient là aujourd'hui, car un chef sans équipe, c'est pas un chef. Et je tenais vraiment à remercier toute l'équipe de salle et qu'on fasse vraiment cette belle soirée au Paloma, c'est vraiment exceptionnel ce soir. Merci à tous, merci pour tout. Je suis là pour la bonne et simple raison que Nicolas a été un formidable collaborateur et un très grand cuisinier, quelqu'un qui a une générosité, une jolie main et quelqu'un qui sait faire la cuisine dans les pures traditions, quelqu'un qui est amoureux du terroir de la Méditerranée et quelqu'un avec qui j'ai bâti tout ce que j'ai fait pendant plus d'un an et il m'a accompagné à l'obtention de cette première étoile. Et donc, lorsqu'il m'a parlé de ce projet, j'étais déjà très heureux pour lui de pouvoir l'accompagner dans cette ouverture et surtout pour lui de pouvoir avoir sa propre maison dans laquelle il va pouvoir s'exprimer et avancer sur cette belle cuisine qui est la cuisine méditerranéenne. Voilà. Donc je voulais une fois de plus féliciter Nicolas. Bravo pour cette confiance que vous lui accordez. Et bravo monsieur le maire d'avoir permis qu'il y ait un endroit aussi joli en Mougins dans cette belle commune. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.